Salut, on se retrouve dans le dernier épisode. On avait... Oh, bonjour monsieur le mammouth. J'ai aucune chance, bien ce qui me semblait. Dans le dernier épisode, on avait découvert l'éther et développé la magocratie. Ah, ici on peut faire une ferme. Bon, le terrain est pas pour autant très bien. Mais c'est toujours ça de gagner. Il y a encore des armées qui arrivent dans le nord. On peut essayer de faire un raccourci comme ça. Alors, voilà qui nous tape. Alors, on se balade avec nos cavaliers. Qui sont rapides à faire, donc je suis pas trop triste. Oula! Sérieux, une ville là? Ça se trouve, c'est de là que viennent toutes ces troupes. Alors, les ouvriers, on va les supprimer. Hop! C'était juste pour lui casser les pieds. Il a un lanceur de javelot, je pense pas qu'il y ait moyen de le tuer. Ah ouais, il a encore des villes là! Il a beaucoup de villes, ils ont beaucoup de villes, les disciples de Mulcan. Il va me falloir que je commence à me faire des armées conséquentes pour les affronter. Là, Gélidrus est très peu défendu. Ah oui, il y a une différence entre le drapeau barbare et le drapeau des adeptes de Mulcan. Ouais, j'aurais dû commencer par smash l'autre. Il y a plein de villes, plein de villes. Feu, il faut toujours que je garde des troupes pour se défendre. Quand j'aurai les chevaucheurs de mammouth, on ira leur rendre visite. Mais c'est très loin à faire, j'en ai pas encore des chevaucheurs de mammouth. Hop, on a à nouveau du fer. Urso garde la supériorité sur pas mal de cases, c'était le but. Hop, scratch la route. Et scratch la ferme. Mysticisme. Dans un lointain passé déjà, avant que les dieux ne révèlent leur présence, nous sentions confusément que quelque chose de plus grand nous attendait. Quelque chose qui pourrait donner un sens à nos vies. Certains d'entre nous en avaient déjà l'intuition, disait Jobin Seras Erui. Une ville défendue par un lanceur de javelot. Oh là là! Ah oui, il y a un peu plus de monde là-haut. Piqué, archélon, tout ça, tout ça. Il y a moyen qu'on mette une armée sur pied, hein. Ici, eux, ils servent jamais parce qu'il n'y a plus de barbares. Donc on va réattribuer tous ces bons hommes en les envoyant ici. Ici, il y a encore un front. Eux, ils m'envoient des gars. Ou alors, au contraire... On va peut-être les envoyer au combat. Se débarrasser de la ville barbare. Ah, ça coûte trop cher les soldats avec masse par contre. Alors, je pense qu'on a perdu notre cavalier. Tout à fait. À tous nos cavaliers. D'accord. Ici il y a un arc. Ouh, archélon. C'est puissant. Mais ils ont tous tiré là en théorie, non? Mince, faut que j'y fasse un par un. Jusqu'au moment où il est trop faible. Je sais pas à combien de pourcents il est considéré comme trop faible.
Alors, avançons. Alors, on peut faire des remparts. C'est un truc utile, les remparts. Alors, feu. Lui, il a été attaqué. Comment ça se fait qu'il ait de l'XP? Aucune idée. Ah, mais pourquoi ils veulent pas tous tirer? C'est nul ça. Faut que je les clique un par un du coup. C'est quand même franchement plus long. Ah, c'est peut-être pour ça que je faisais pas beaucoup de dégâts avec mes barrages de flèches là. S'il y en a qu'un qui tire à chaque fois. Ah là, je peux plus tirer, ils sont tous à trop faibles. Mais ils sont tous encore assez costauds à mon goût. Wouh! Grande side victoire. On l'a emporté, tout le monde a l'air vivant. Il reste un archélon. C'est dur à tuer ça. Et je peux pas tirer. Bon, pas grave, on va rester en défense. Toi, t'aurais pas un... Pas du tout. Chance de retraite 29. Bon, on essaye. Il a pas réussi à se replier. Ah, les autres sont beaucoup plus faibles. Bonjour messieurs. Oh, il est meilleur lui. Je sais pas pourquoi il était derrière. Reste plus que Moka qui était venu se réfugier dans la ville. Alors lui, il a 26% de chance de repli. Là c'est 12 le meilleur score. Bon alors tir. 3% c'est pas très bon. On va peut-être sacrifier un guerrier. À 29% de chance de victoire et 21% de chance de repli. Repli. Moka est encore blessé. Ah, c'est bon là. Moka a été vaincu. Oui, on s'installe dans la ville. Et on construit un obélisque. Parfait, chevaucheur de mammouth. En plus, c'est super rapide le chevaucheur de mammouth. 3 de déplacement. Oh, c'est top! C'est vraiment des troupes d'élite. Alors, ma mine d'or est un peu plus sécurisée maintenant qu'on a des troupes pour défendre la ville. Alors, on va mettre quelqu'un dans là. Toi, t'es très bon en montagne, mais pour l'instant, t'as plus de vie. Toi, tu vas devenir bon contre eux et t'avancer par là. Ah mince, une autre armée. Donc là, deux choix s'offrent à moi. Oh, les chances sont pas très bonnes quand même contre les piquiers,
quand même 40% de plus contre unité montée, plus 20% de puissance, ça commence à faire beau, ça finit par faire beaucoup. On va faire marche arrière. On va pas tenter le diable. Tirer le diable par la queue, on peut dire. Il a encore beaucoup plus que moi, le coco. Pistage, puis-je le trouver? Regarde les branches brisées ici, l'herbe aplatie là, et la légère dépression autour de ce rocher. Écoute les cris des oiseaux qui changent. Regarde les écureuils se précipiter sur les cimes des arbres. Il aurait tout aussi bien pu laisser derrière lui un tapis rouge. Fabricant d'arc, archer long. What? Requiert la connaissance de construction. Ah, rien que ça. Peut voir animaux cachés. Peut essayer le domptage. Ce sera plus court. Le truc, c'est que le disciple du dieu de l'hiver, enfin les disciples du dieu de l'hiver, sont mieux que moi en tech, je pense. Et donc même avec mes chevaucheurs de mammouth, on va pas faire ça. On va faire, y a pas un truc qui rapporte de la nourriture? Non. Bon alors faites une étable, ce sera déjà mieux. Je fais plus de mammouth actuellement. Alors, ils sont arrivés presque au contact. Oh, ça a failli passer les montagnes, ça. Le chevaucheur de mammouth pour l'instant il va rester comme ça. Alors ils ont tapé, ils ont échoué contre le chevaucheur de mammouth entre autres, qui va devenir franchement notre unité d'élite très vite. Alors qui peut avoir chandision plus un toit? Ok, toi tu vas avoir large. Allo, allo, allo. Là, il y a moyen de faire une petite maison. Alors, je pense que notre ami le mammouth est bien équipé. Et l'autre, il est tellement faible que je peux le tuer avec n'importe quoi. Enfin, j'espère, j'ai même pas regardé les stats. Ouais, c'est bon, ça passe. Je suis carrément chaud pour y aller maintenant. On va quand même laisser une défense conséquente. Mais on va y aller. Alors, action plus une, comme ça tu peux nous rattraper. Ah bah non, c'est pas top. Tant pis. On va probablement raser les villes, hein. Aller prendre des villes là-bas. Ah, du coup, Patria fait quasiment frontière. Bon, il y a encore des cases dans le nord. What? C'est quoi ça? Il y a des troupes barbares. Oh, c'est des géants. Loup. Géant de glace. Oh lolo. Chevaucheur de mammouth en 19 tours. C'est parti. En plus, ils vont à toute vitesse, les chevaucheurs de mammouth, c'est trop bien.
Le chemin serait plus court par là? Alors, il n'y a que des lanceurs de javelots. Ah, on va. Attendez, 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 attendez. J'ai une meilleure idée. Ah, me cassez pas mon mammouth. Voilà. Réduisez l'encens. En plus, il y a des troupes qui arrivent par là. Ils vont peut-être me tuer mon mammouth. Non, pas du tout. Il y a des troupes qui sont venues affronter Bélémus. D'ailleurs, je pense que Bélémus a bien mieux à faire que de rester terré là-bas. Ah mais il est bon lui. Il est bon, allez hop, unité montée, comme ça t'as quasiment tous les bonus. Et il te manque plus que des étoiles. Alors. Hop. Ah mince, je peux pas voir à quoi ça ressemble. Je me demande s'ils sont pas faiblement défendu, bon on va voir. Vous. Feu. Feu. Vous êtes les supports des mammouths. C'est toujours pas top, il y a des piquets non blessés. Bon, on va se défendre. Et l'ouvrier. Hop là. Chevaucheur de mammouth. Chevaucheur de mammouth. On en a un qui arrive. Oh, ils ont des bonnes stats contre les géants. Alors le brouillard les embête par contre. Ouais, là on peut considérer que c'est faiblement défendu aussi. Alors, si on peut s'occuper des moutons, c'est bien, sinon tant pis. Bonjour. Chevaucheur de mammouth a éliminé un géant de glace, rien que ça. Alors lui, j'ai par contre vraiment pas du tout envie de le perdre. Donc on va se retrancher dans la montagne. Nos chances seront mieux. Alors, feu et feu. Et on peut plus faire feu. Ils sont trop blessés. Deux troupes, il me reste deux types pour attaquer. J'hésite à garder la ville, elle est pas mal quand même, non? Ouais, on va garder la ville. Au début, elle va servir à rien. Il va falloir qu'on laisse des défenseurs, par contre. Toi, tu vas être défenseur de la ville, par exemple. Ouais, pour pas que je la reperde, il faudrait plus de monde. On va choper des gens de la ville là. Ouais, quasiment tout le monde, en fait. Et on va les envoyer défendre là-bas. Le mammouth se soigne. Ici. On en profite pour faire ça. Les deux géants de gel sont morts. Toi, c'est la fin. Il en restait un caché dans les buissons. Qui a failli tuer les trois.
On va temporairement les laisser là, eux. Mammouth, Toto, enfin soigne-toi. Ah, le village m'a donné un guerrier. Alors non, mais non, mais non, mais attendez. Un guerrier de ce côté-là. Ah si, on peut passer sur la banquise. D'accord. Dans ce cas-là, c'est utile. Alors, le mammouth a pas eu d'XP, lui il a eu de l'XP. On va lui donner une bonne défense sur forêt et jungle. Sachant qu'il y a de la forêt à peu près partout. Aussi près alors qu'il est blessé, c'était pas forcément une bonne idée, on va voir. Vous, vous êtes défenseur de la ville. Ah, il y a un chevaucheur de mammouth qui est mort. Alors, ce qui reste, une petite tribu approche de vos villes et implore votre aide. Alors, on va leur fournir un abri. Ils ont... Ah ouais, approché de Hurlestone, on dirait. On va peut-être se replier stratégiquement, sachant qu'il y a une armée qui approche. Va falloir qu'on les tue. On n'a pas encore les archers longs. J'aimerais avoir mon armée là-bas. En soutien, mais horde d'archers. Oh, il y a une autre armée là. Misère. Bougez pas, vous. Ah bah, voilà mon occasion. On tire, on tire, on tire, on tire. Non, je sais pas qui est sur on tire. On tire, on tire. C'est pas top comme stat. On s'est passé quand même, il y en a un autre à 3. À 13. Et les autres, je pense que mes éléphants sont trop affaiblis. J'ai perdu quelqu'un. Là-haut, je pense. Ouais, j'ai perdu un éléphant. C'est bien ça. Bonjour. Ah, c'est à ça que ressemblent les soldats avec masse. Bonjour. Et au revoir par la même occasion. Il y a encore des gros bestioles. Encore des géants de glace, mais ils viennent d'où les géants de glace? Oh, c'est hallucinant, il y en a trop! Alors les troupes de défense arrivent. Continue à faire des chevaucheurs de mammouth. J'aurais pu demander, j'aurais pu donner champ de vision amélioré à un des types. Alors, chevaucheurs de mammouth, quel va être le chemin le plus court? 5. Par là, d'accord. Alors prends par là. Oh là 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 là. C'est quoi ce géant de glace? Oh, c'est pas croyable. Ils sont beaucoup trop. Ils
Ils arrivent un par un. Alors, ils soignent. On va les avoir, les gens de glace, en fait, tout simplement. Ici, on a un spadassin. Bonjour. Au revoir. Champ de vision plus un. Je sais pas d'où ils viennent les types. Alors, il a les unités portant cette marque peuvent lancer hâte. Augmente le mouvement de vos unités dans le groupe de 1. Trop bien! Alors, on va probablement en faire un. Ah, j'ai deux enfants.